Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen. Donc, une vidéo tuto. Donc, c'est pas un tuto comme on pourrait s'y attendre, mais un tuto où en fait je vous montre comment gagner concrètement de l'argent avec un vulture. Donc, comme on avait pu le voir, on l'a fait avec le Reclaimer. Donc, je vous l'ai fait voir en solo et en multi-crew. Donc, à savoir que le vulture est bien entendu un peu moins de. Il a moins de stock. Donc forcément, à partir de ce moment-là, voilà, on a 13 RSU, là, je sais pas quoi, ici. Donc, le cargo n'est pas aussi gros que dans le Reclaimer, mais ça n'empêchera pas de faire un petit peu d'argent pour ceux qui l'ont acheté au départ dans le site. Parce que vous allez pouvoir vous faire pas mal d'argent au début avec ce vaisseau si vous l'avez sur le site. Et si vous l'avez pas sur le site, attention, parce qu'il peut être louable. Il me semble qu'il est louable à leur ville. Donc, enfin, ça, après, prenez-le avec des pincettes. Parce qu'il y a des moments où il l'est pas. Donc, je comprends pas tout de A à Z. Mais, voilà. Donc, c'est au cas où pour vous dire. Donc, admettons, on va prendre le petit Scorpius. Voilà, on va prendre celui-là. Tac, on prend la mission. Donc là, on va attendre qu'elle s'affiche. Donc, elle est à 26 millions de kilomètres. Donc, ça me fait un peu chier. Mais c'est pas très grave. Hop. On va aller direction le point pour réclamer. Réclamer un salvage, un Scorpius. Donc, vous allez voir que. Il y a plusieurs strates en fait. Il y a la strate où d'abord on gratte toute la coque. Et on. Et on détruit le vaisseau. Ouh, il y a une strate. C'est comme je vais faire là, parce qu'en fait, le fait de gratter le vaisseau, ça rapporte quasiment que dalle, en fait, faut dire les termes, c'est éclaté. Voilà, faut dire les termes, c'est pas ouf, donc c'est pour ça que autant prendre directement tout le vaisseau et le manger. Donc, les amis, nous voici à 11 km de la zone pour... pour recycler le scorpion, Scorpius. Si vous regardez bien sur la chaîne YouTube, il y a eu quelques vidéos avec le vulture, donc je crois que c'est la troisième vidéo. Donc c'est tout à fait normal. Hein, les autres, c'est des tutos pour vous montrer comment fonctionne le vulture. Là, c'est plus un tuto ou même tout simplement vous montrer comment. Comment faire de l'argent in game quoi. Je le vois plus comme ça, moi, voir comment c'est faire de l'argent. C'est triste, mais là on fait ça pour le moment avec le Reclaimer, les trucs dans le genre. Donc on va faire de la thune, mais dans le futur, tout ça va encore changer avec la trappe en 23. Il y aura beaucoup de choses qui vont changer. Donc c'est pour ça, c'est des vidéos dont il va falloir suivre un peu le rythme, on va dire, en tout cas se mettre à jour assez souvent. Pour la simple et bonne raison, voilà, comme je vous ai dit, la 3.23 va arriver, déjà va changer énormément de choses in-game. Donc c'est normal qu'on se tienne à jour. Donc on va commencer par activer... On va activer ça. Non, c'est pas ça que je voulais activer. Voilà. On va commencer par déjà casser le vaisseau. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je vais remontrer les contrôles. Hop, assignation des touches. Véhicule recyclage. C'est les deux qui sont juste là. Donc là, moi, je les ai déjà... C'est ceux-là. Les deux-là. Donc moi je les ai déjà fait mais apparemment il n'a pas compris. Donc bon c'est pas très grave. Voilà. Voilà, tac. Tac.
Bon, bien entendu, c'est pas. Vous n'avez pas gagné des millions avec la culture. C'est juste pour vous montrer que si vous n'avez pas de reclaimer pour toutes les nouvelles personnes qui commencent le jeu, vous pouvez toujours le faire avec le vulture in-game, en tout cas, voilà. C'est surtout ça que je voulais vous montrer. Voilà, il reste deux petits morceaux là. On va se les prendre, bien entendu. Tac. Donc là, vous voyez, avec un vaisseau, je suis monté à peine à 3 SCU, donc il va en falloir faire quelques-uns pour quand même remplir la soute du vulture, quoi. C'est pas un... Voilà. Bon, après, il y a des petits trucs comme ça, mais... honnêtement, pour 10-01, on va le faire, mais rapidement, quoi. Le temps qu'il fait ça, au pire, on va se trouver une petite mission. Donc, recyclage. Est-ce qu'il n'y a pas un autre petit. Constellation. Je sais pas si le constellation, je peux le briser. Je sais pas. On va essayer d'abord le Vanguard. Harbinger. C'est 20 000 balles, le Vanguard. Il ressemble à quoi, le Vanguard? Deux secondes, je regarde le Vanguard. Donc je regarde en même temps avec vous parce que c'est juste pour qu'on remplisse un peu la soute assez rapidement pour éviter que la vidéo dure trop longtemps. Et bah écoutez, on va laisser faire le Vanguard. On se retrouve sur zone tout de suite dès qu'on est dessus. Donc les amis, nous voici à 8000 mètres du vaisseau en question à Reclaim. Enfin, réclame à recycler. Il va falloir que j'arrête avec ça. Hein. C'est que pour le réclameur. Non, mais après, autrement, on pourrait le dire vulturé, mais non. Bref, passons. On va essayer de se le faire parce que je sais pas s'il est trop gros pour le vulture ou pas. Mais on va essayer. Hein. De toute façon, on est là pour tester. À savoir que après ce vaisseau, ça sera notre. Enfin, c'est notre dernier vaisseau. Après, je vous emmènerai à la vente directement. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie de vous montrer 50 000 fois la même chose. Je vais essayer de faire en sorte que cette vidéo ne dure que qu'une dizaine voire une quinzaine de minutes maximum pour changer un peu, pour éviter qu'elle soit trop longue. N'oubliez surtout pas de vous abonner au passage. Voilà. Tac. D'abord, faut sortir ça, j'ai oublié. Donc là, en tout, il y a 11 SCU. De toute façon, ça tomberait bien, on sera quasiment full, ça veut dire... Donc un Vanguard, ça veut dire qu'on remplit quasiment votre vulture. Et ça veut dire aussi qu'on peut le casser. Donc voilà, vous voyez, donc... si en un tour, on peut trouver un Vanguard et le... Et faire en sorte qu'il soit... qu'il remplit votre vulture, c'est une bonne chose. À savoir que, je le répète, moi, je salvage pas le dessus. Mais il y en a qui le font, enfin, et même vous pourrez le faire, hein, ça vous rapportera des thunes, mais moi je trouve ça trop long en tout cas pour ce que ça rapporte actuellement. C'est chill, mais en tout cas pas assez pour qu'on puisse se faire quelque chose de bien avec. Hop, là on va avoir encore un petit 4 SCU. Hop. Voilà, les deux petits morceaux. Hop, c'est pas ce qu'il rapporte, hein, mais bon. Ouh, un plus 10. Oui, parce que vous regardez, hein, quand vous voyez au milieu de l'écran, là, hein, ça c'est quand on se rapproche assez et... qu'on a, on va dire, entre guillemets, assez de... Hop. Bah, je suis plein, de toute façon, donc, bon, voilà. Ça sert à rien de continuer. Hop. On a tout rangé. Ce qu'on va faire, les amis, c'est que... je vais à leur ville pour vendre, parce que moi, je vais vendre à leur ville. Et on se trouve directement devant les panneaux de contrôle. Donc, les amis, juste petit truc que j'ai oublié de vous dire.
Bah, d'éjecter les caisses, ne fais pas comme moi. J'étais rendu à leur ville, là, et j'éjectais les caisses, donc il vous faut un multitool, donc là, vous mettez un SCU, 3 secondes éjecté, éjection automatique, ou autrement, vous allez dans créer, et vous pouvez vous créer un multitool et un tracteur beam. Voilà, n'oubliez pas. Tac. Donc là, on a 13 SCU à sortir, enfin là encore, encore 11 d'ailleurs. Tac. Donc je fais ça et je reviens devant les panneaux de contrôle. Alors les amis, j'en profite en allant au panneau de contrôle, donc n'oubliez pas de prendre la ligne verte pour venir. Hein. Et là, vous suivez le chemin jusqu'à où je vais aller. Mais pendant que j'y suis, j'en profite pour vous dire que la DG Team, la corporation de la DG Team, recrute toujours des membres activement pour s'agrandir, parce qu'on a plusieurs gros projets. Mais voilà, si ça vous intéresse de rejoindre une corporation, toutes les informations sont dans la description. Que vous soyez seul, en groupe, avec des amis, que vous savez pas jouer, que vous êtes nouveau sur le jeu, n'hésitez pas à venir sur notre Discord. On sera le plaisir de vous inviter au sein de notre corporation et de vous montrer le jeu ou même de passer des bons moments avec vous. On va voir combien on a gagné avec un inventaire full vulture. Alors à savoir que full on peut le remplir avant de revenir vendre. Mais donc là déjà d'accord, donc c'est pas ici, c'est au... Ah oui, c'est à l'admin. Pas con lui. Je reviens tout de suite. Tac les amis, donc on arrive à l'admin office. Donc le truc des admins quoi pour vendre. Et hop là. Alors, j'espère que c'est là qu'on s'est pas trompé. Et ben c'est bien là. Donc 72 000. Voilà l'argent qu'on peut faire avec le Vulture en allez, une bonne demi-heure. Voilà, 72 000, donc c'est rien comparé au Reclaimer. Voilà, cette vidéo était juste là pour vous montrer qu'on peut se faire un tout petit peu d'argent avec le Vulture. Donc à savoir que si on suit les... tac, je vais juste baisser le son pour le temps de vous parler. Tac, si on suit les... l'économie, le Vulture en fait va juste vous aider en gros à... Et comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de l'acheter, hein. Par exemple, exemple tout con, là vous venez vous de faire en une demi-heure, parce qu'avec d'autres métiers, vous ne pouvez pas faire. Là bien entendu, l'économie en ce moment est assez biaisée avec le Reclaimer qui... où on gagne des millions en une heure. Mais voilà, pour l'avenir, 72 000, je pense que là on s'approche d'une économie qui aura un peu après dans le verse. Donc je trouve pas ça déconnant, surtout que c'est assez fun et chill à faire. C'est surtout voilà, si vous êtes tout seul, si vous voulez chill, parce qu'à 3.23, n'oubliez pas que vous ne pourrez quasiment plus être dans des vaisseaux, des gros vaisseaux tout seul. Donc, alors que le Vulture, lui, vous pourrez être tout seul. Donc voilà, c'est juste en prévention. On se fait un petit peu d'argent avec le Vulture. Voilà, c'est pas énorme, mais voilà, comment se faire de l'argent avec un Vulture. Donc les amis, on se retrouve très prochainement dans une autre vidéo. J'espère que vous aurez kiffé. N'oubliez pas de lâcher votre petit like, votre petit com si vous avez des petites strats à donner aux gens dans les commentaires ou même à moi-même, hein, parce que je suis pas un professionnel de tout. Donc si vous avez des trucs à ajouter, n'hésitez pas à le mettre dans le commentaire. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner, on rush les 1000k, les 1000 abonnés les amis. Allez, let's go, je vous fais confiance. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde.